C'est les ablutions, non? Les ablutions du matin? C'est dangereux. Surtout, ça me faisait mal aux doigts rien que d'y penser, parce que la tôle est très très effilée. Ce qui est complètement absurde, c'est que 2 mois plus tard, la porte a été ouverte. Ouais, c'était un peu une brimade, quoi. On avait fermé ça pour les obliger à un peu de sport. Toi, tu as participé, tu es allé un petit peu avec Simon. L'hiver où ils étaient déjà installés sous la voûte, tout le canal avait gelé. On est venu amener des couvertures. On leur a fait signe du haut du pont de la voûte et puis ils ont tendu les bras, on les a lancés comme ça. Moi, je savais bien que toute la journée, Simon allait plus ou moins s'occuper de leur cas, quoi, essayer de leur obtenir un statut stable. Et ça me rassurait, ça me rendait un peu complice avec eux. J'admirais beaucoup, sinon, de prendre son temps, puisqu'il faisait ça en bénévole, pour faire un cas par cas, voilà. Souvent, on a tendance à prendre tout ça en bloc, comme une espèce d'information un peu anonyme, et lui, voilà, chacun avait son histoire qu'il fallait raconter.